Bonjour Paribu, et je pose quelques questions aux exposants. Et ma question est, pouvez-vous expliquer les techniques spécifiques que vous utilisez pour restaurer ces sculptures, en fait, d'accord, tout simplement. Alors, une réponse globale, hein, parce qu'on pourrait faire long, bien évidemment. D'accord. Merci. Faire des anciennes pierres qui étaient altérées sur la cathédrale pour avoir les formes. Il y avait, donc en l'occurrence derrière là c'est le cochon, où on a vu que c'était des pattes de cochon. D'accord. On fait des recherches sur les anciennes photos en amont pour vraiment voir la forme s'il y avait. On a eu accès aux croquis de Viollet-le-Duc aussi, l'architecte, qui nous ont permis justement de faire la proposition en plâtre du cochon. Une fois que la proposition en plâtre est validée, on peut se lancer du coup à tailler sur la pierre avec un outil qui s'appelle la mise au point. D'accord. On vient chercher point par point les points du plâtre jusqu'à la pierre pour finir un aspect. Ah bah parfait, parfait. Bah écoutez, je vous remercie et je continue ma petite promenade, si je puis dire. Voilà, voilà. Concernant cette rénovation autour de Notre-Dame de Paris. Depuis un certain temps, je suis moi-même l'évolution du chantier extérieur, il y a extérieur et pas intérieur, et j'en profite pour poser quelques questions dans cette journée porte ouverte. Et ma question est, comment assurez-vous l'authenticité et la fidélité historique dans vos travaux de restauration? C'est-à-dire, comment vous faites pour rétablir au plus près ce qui était là avant Notre travail est supervisé par les architectes. C'est sous le regard des architectes qu'on réalise notre travail. Ils sont à même de vérifier, de contrôler les profils de moulure qu'on va utiliser. Notre travail, c'est de reproduire à l'identique, se rapprocher au plus près de l'existant. Donc en fait, on change des parties, mais les zones qui sont conservées, donc il suffit nous de réaliser un travail de copie et d'ajustement de nos pierres avec les unes et les autres. Et voilà, alors pour ne pas faire trop long, bien évidemment, les réponses pourraient apporter beaucoup plus de précision, mais plus court. Et j'ai une autre question comme ça devant moi à poser, c'est quels sont les matériaux traditionnels et modernes utilisez-vous dans la restauration, en fait, les matériaux Nous, dans les matériaux, c'est les mêmes matériaux que la construction d'origine, c'est-à-dire de la pierre, du sable, de la chaux. Il y a certaines pierres qui sont assemblées avec du coulage au plomb. On n'utilise pas de matériaux modernes, mais par contre, ce qu'on va utiliser dans les techniques modernes, ça va être tout ce qui est lié au levage, la manutention. D'accord. Là, c'est là la grosse différence. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et bravo et pour ce formidable travail de restauration. Merci. Merci. Parfois, il y a des surprises.
varie en fonction des endroits où c'est extrait. C'est pas super accessible. Moi j'ai parfois même sur une pierre relativement importante, avec plusieurs niveaux de vie. Et à un endroit elle va être très bonne. Et après elle va être. On essaye, mais plus la pierre. C'est dans la bondeur qui va avec la pierre. Lors de la dégradation, de la dégrader, on passe sur un moulage. Vous avez le travail de plusieurs entreprises. Aussi, vous allez pouvoir ce soir, en l'écouté, découvrir la maîtrise de Notre-Dame de Paris, qui va faire un concert extra à 10h, et aussi des ateliers enfants. On vient d'en parler il y a quelques instants avec Maxime. Différents espaces sont là pour vous accueillir, avec des maçonneries qui ont été reconstruites, la restauration de la couverture et des ornements que tout le monde du chantier, piloté par Connaissance des Arts. Et cette année, pour cette 5e édition du Village du Chantier, tous les numéros de la Fabrique de Notre-Dame ont été réédités du 1er au 7e, et cela retrace, comme je le disais. Et moi, je n'ai pas dit pas comme ça, mais qui va voir.
Thank you.